Eh bien bonjour à tous, c'est le Routier 76 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour une marque française, Hotchkiss. Alors c'est des Heligor O143. On a le sigle Hotchkiss Paris, c'était fait à Saint-Denis. Donc là on a un bel exemplaire de PL50 plateau bâché primeur, c'est écrit dessus. Je ne sais pas si j'ai le numéro par contre. Et là j'en ai un deuxième. Un DH60 plateau ridelle bâché. Donc Hotchkiss, marque française qui avant de faire des véhicules faisait des armes et qui a arrêté sa production en 1964. Allez, je les ouvre. Alors, les voici sortis. Malheureusement, j'ai vérifié. Il n'y a pas de numéro en dessous. Donc, c'est limité, mais je ne sais pas quel numéro j'ai. Pour la puissance, je ne peux pas vous dire. Par contre, les boîtes sont bien faites. On ne voyait pas à l'origine la petite photo qui est derrière. Et sur celui-ci, en édition limitée avec le club Hotchkiss, d'ailleurs c'est là que je les ai achetés, des gens très sympathiques. Et lui aussi, il y a la petite photo à l'intérieur. Donc c'est des petits camions, petit tonnage, hein. Il n'y en a pas eu beaucoup. Dans les rassemblements, j'en ai jamais vu. Malheureusement. Et effectivement, il a la cabine. Qui bascule. Donc surtout si vous avez des informations précises, des connaissances sur ces véhicules, je suis preneur, il n'y a pas de problème. Alors j'ai eu ces deux modèles là parce que je les ai cherchés, j'en avais pas, je les ai eu au club Hotchkiss. Au salon rétro mobile de Rouen, auto rétro de Rouen. Les gens du club étaient très très sympathiques et c'est aussi parce que j'ai un grand-père qui a eu une voiture Hotchkiss et il en parlait toujours en bien. Donc je me devais d'avoir cette marque dans la collection. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un like, à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.